Salut tout le monde, c'est Ray, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 2 de Phoenix Wright Ace Attorney. J'espère que vous allez bien. Et nous allons continuer notre aventure. Alors non, du coup, c'est pas ce que je voulais faire là. Alors, nouvelle partie. Donc la dernière fois, je vous ai montré en entier l'épisode 1, donc le premier volte-face. Alors, à savoir que je vous ai aussi montré une seule partie du gameplay que propose ce jeu. Donc, pour la deuxième partie, ça va se passer dans quelques minutes, lorsque nous allons nous attaquer à l'épisode 2, la volte-face des sœurs. D'ailleurs, je sais pas s'ils sont trompés, si c'est pas un ou une volte-face. Bref, c'est parti, je vous laisse comme d'habitude l'introduction. Bon, on pouvait pas dire que c'était une introduction assez classe, je dois l'avouer, c'est vrai. Mais bon, c'est quand même déjà pas mal. Bon, 5 septembre, 20h57, cabinet d'avocat, Feuille et compagnie. Épisode 2. Le 5 septembre, quelques minutes plus tard, donc 11 minutes, ce même cabinet d'avocat. Phoenix rentre en retard. Bon, alors je vais devoir. Je peux pas vous expliquer maintenant. Donc du coup, on va voir ça un peu plus tard. Et voici une magnifique position de meurtre. Merci Capcom.
je règle juste mon micro. C'est normal qu'il y ait un peu de bruit. Alors, tout de suite, je vais vous expliquer donc la première phase de gameplay des prochains épisodes qui se composera en premier lieu de ceci. Il s'agit de visiter les lieux et de récolter des informations. Donc pour cela, nous avons 4 boutons primordiaux, enfin 4 options, soit examiner, se déplacer. Alors s'il y a une personne en face de nous, nous pouvons lui parler, qui sera représentée par une des actions en bas. Et nous pouvons lui aussi lui présenter des preuves. Donc là, en allant sur examiner, vous voyez, il y a un petit curseur qui bouge. Et donc là, il y a un marqué examiner, ça veut dire que l'on pourra avoir des informations. Donc là, sur cette fenêtre par exemple. Voilà. Donc là, évidemment, on peut regarder un peu partout, voire même le corps du patron. Voilà, et en même temps, on récupère quelques preuves. Donc là, vu que c'est le truc le plus simple, ça va être assez rapide. Mais au fur et à mesure des épisodes, ça va se corser parce qu'il va falloir réfléchir. Donc le morceau de papier, donc je vais plutôt faire la souris en fait, que vous ne voyez pas d'ailleurs. Voilà, donc, alors des trucs cassés, ça doit être les affaires qu'ils ont élucidées. D'accord. Oui, ça c'est les éclats de verre. Donc c'est pas intéressant, donc je peux aussi bouger, aller dans, voir dans l'autre pièce. Alors... Alors oui, non, ça c'est le fauteuil, j'y suis déjà allé. Ah, ça qu'est-ce que c'est? Et c'est le bureau évidemment. Effectivement, donc tout ça, ça doit être les affaires réglées et autres. L'ordi de la patronne. Ouais, tu m'étonnes. Bon, bah je crois que c'est tout ce qu'il y a à voir. L'ordi, je l'ai vu, ça je l'ai vu. Ah, le téléphone. Ouais. Bon, ok, je vais quand même vérifier le téléphone. Il manque une partie des vis, ouais. Si tu veux, bon. Je pense que j'ai fait le tour, je vais me déplacer. Donc on peut se déplacer aux endroits que nous avons déjà vus. Aux endroits auxquels on peut accéder, mais qui n'ont pas encore d'image, comme vous avez pu voir sur le côté gauche de l'écran inférieur. Bref, alors généralement les deux endroits où nous irons en général, c'est soit le cabinet où nous trouvons actuellement, soit le poste de police. Non, pas le poste de police, le parloir en prison. Ouais. Alors voilà, nous pouvons discuter avec elle et lui présenter des preuves. Donc nous en discutons. Alors, plusieurs options s'offrent à nous. Voilà, donc là, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord.
Voilà, alors, je vais lui présenter des preuves, donc. Alors, je vais regarder un petit peu tout ce que j'ai. Alors, mon badge, je m'en fous. Le penseur, l'âme du crime. Alors, oui. Voilà, alors, présenter. Alors je dirais non parce qu'il n'y a rien de vraiment utile à dire, mais alors là c'est vraiment une conclusion facile, rapide et simple. C'est trop simple. Affaire classique, voilà. Heureusement que Phoenix Wright est là. Parce que sinon qui serait le système judiciaire. Ah, c'est centre de détention. Alors, le lendemain matin à 9h07. Ah, une petite musique calme. Au moins la dernière chose à faire pour respecter la mort de mon patron, c'est de protéger sa sœur. Je sais que c'est pas de la coupable. Oups. Ouais, enfin, je t'ai vu, t'étais en train de pleurer ta sœur. On va pas dire que c'était un regard de criminel. Elle essayait de m'arranger un coup avec sa sœur. Trois ans, t'es sérieux? Moi, dans 3 ans, je suis prêt. Putain, j'ai envie. Je sais pas quoi penser. Bon, ça c'est fait. Alors, discute un petit peu avec toi. Alors. Tu es donc sa sœur. J'ai pas tellement confiance en les médiums en fait. Bien. Et le jour du meurtre, qu'est-ce que tu as fait ? Thank you.
D'accord, et ton portable, tu l'as foutu où? Ok. Ah oui, la prochaine fois, je foutrai des baffes pour avoir ton téléphone. Bon, une petite note. Ouais, bon, aujourd'hui, meurtre, il m'a pas accepté. Alors, tu es médium. Mais tu sais que je déteste ça. Ouais. Si tu veux, de toute façon, t'as pas accepté mon offre. D'accord, mais le jour du meurtre, t'es sûr que tu te souviens de rien. Bien, bien, bien. Bon, bah, je crois que j'ai fini. Je vais aller voir dans mon dossier quand même quelques trucs. Alors, Alors, une conversation entre. Ok. Bon, bah, je vais me déplacer. Et aller au cabinet d'avocat Rosenberg. Ça fait très diplomate, je trouve. Alors, cabinet d'avocat Rosenberg. Il n'y a personne. Bon, tant pis. Je vais quand même examiner. Alors. Ah bah déjà. Ouh, très beau tableau. Très très beau. Oh, une très belle table aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un magnifique fauteuil, je trouve aussi. Et les étagères en acajou. Oh, tu parles. Une magnifique tapisserie. Oh, très très jolie la table. C'est très 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 beau, je trouve. Bon, bah, il n'y a rien ici. Bon, j'ai plus qu'à me déplacer. Bah, je vais retourner au cabinet d'avocat. Peut-être trouver quelque chose. Bon, j'ai alors aussi à savoir, à chaque fois qu'il vous marque la date et le lieu, c'est à dire qu'il va se passer un truc. Infraction. J'ai du mal à lire, je crois qu'il dit infraction d'entrée. D'accord. Je m'appelle Paul Desfesses. Tu as tout à fait raison, espèce de grand con. Tu n'as pas de tête aussi. Et tu es dictaphone, parce que ça fait un jeu de mots à la con, ou bien dictionnaire.
C'est exactement ce qu'il faudrait d'ailleurs, tu sais rien. Ouais, non, détective. Empêche, dictionnaire, ça tirait vachement bien, je suis sûr. Ouais, inspecteur. Enfin, pseudo-inspecteur. Ah ah. Ah oui. Je vais discuter un petit peu avec toi. Et je profite un peu de la musique. Pile pour ce qu'il me fallait. Pardon, pourquoi je ne vais pas le gagner? Enter, enter. Ça veut dire Benjamin Hunter. Comment dire ça? Non. Oui, toi tu te prêtes en détective et que tu fais des conclusions hâtives tout le temps. Tu peux parler quand tu veux. Alors, ok. Ah, excuse-moi mon grand. Carrément. Bon, bah c'est sûr que je vais perdre. Bon. Ah si, faut que je pense à un truc. Tu peux me passer le portable? Je vais le dire directement parce que fuck you. Merci. Super, bon bah je crois que j'ai tout. Oui, tutoriel, merci. Oui, j'ai terminé, je m'en vais. Pourquoi? Oh, toi tu peux parler, Hunter il fait pareil. Sauf que lui c'est sur les jurés. Ah, tu parles de celle-là. Ah oui, bon ça. Macha Avril. Pas compris. À moins le Avril. Non, je comprends pas. L'Avril. Ouais. Je pense que c'est tout ce que j'avais à te dire. Oui. Bon bah je vais me déplacer. Merci pour tout, crétin. Bon, je vais aller à l'hôtel Gatewater. Le 6 septembre, hôtel Gatewater, chambre 303. Ah, ça me rappelle une musique ça. Je ne sais plus laquelle. Bon, tant pis. N'essaie pas de me faire du charme, espèce de... Oh, bonjour, madame. Oui, madame. Et j'ai commencé à te détester, madame. Ouais.
Ouais, sauf qu'à la fin, normalement, c'est le gentil qui a gagné. Ah putain, ouais. Alors, examinons un petit peu ce merdier. Bon. Un superbe tableau. Un superbe tableau d'ailleurs, ouais. Ouais. J'aime donc des fleurs. Des fausses fleurs. Ouais. Des chaises, une table. Oh, du champagne. Ouais, enfin, je te parle pas des fenêtres, je te parle de cette magnifique table. Et deux verres, tiens. Bon. Un lit, on s'en fout, un tiroir ouvert avec un truc qui dépasse. Ah ouais. Pourquoi tes yeux ils sont grand ouverts là? Ferme ses yeux, tu me fais peur. Voilà. Dans ses yeux là, il ne fait plus rien. C'est une bonne question. Je ne sais pas, mais j'ai envie de dire oui. Bon. Bon alors, je vais quand même essayer de vous parler, même si tu ne me diras rien. Oh, on n'est pas dans un film. Et j'aime pas ce genre de connotation. Cette métaphore ou de métaphore. Ah oui. C'est ce qui s'est passé. Déteste. Oui et non. Bon, et cette pièce est magnifique, tu as vu, n'est-ce pas? Ouais, tu es avec quelqu'un. En même temps, on voit que ça. Bon, bah si je te montre une preuve à la con, tu vas rien me dire. Je pense que ça, tu t'en fous, ça, tu t'en fous. Si c'était quand même, j'ai pas vu le rapport. Alors, décès le 5 à 21h, trauma par coup violent, morte sur le coup. Ok, elle a été one shot, c'est super. Putain, puis c'est encourageant d'ailleurs. Bon, bah retournons au centre de détention pour lui parler un petit peu. Il était pas là. Désolé. Sinon, j'y pense. J'ai trouvé ton portable. Alors. Bon, le rapport d'autopsie, on s'en fout. Les éclats, on s'en fout. Et Maya, on s'en fout. Bon. Bon, ça c'est fait. Est-ce que l'avocat est revenu? Oh bon dieu, un barbu. Enfin, un moustachu. Imposant, tu peux le dire, mon petit. Non, je suis clown, ça se voit pas. Samuel Rosenberg. Ouais, putain, t'es le seul. C'est un des seuls qui a un vrai nom qui coïncide et qui est pas un jeu de mots pourri.
Pourquoi t'as changé de tête? Je vais quand même essayer de discuter avec toi. D'abord, pourquoi tu refuses? Dis je alors que l'écran est en train de trembler. T'as du travail. Pardon, j'ai mal entendu, excuse-moi, tu as dit. Comment ça, je ne pense pas. Pourquoi? Je partirai pas. Mais tu connaissais Mia quand même. Quel genre de mission? Et dis-moi, ce tableau est assez spectaculaire, même s'il représente un pêcheur sur un tronc d'arbre. Justement, il est trop impressionnant. J'ai pas pris option art plastique, mon petit. Tu veux pas le temps, même si je dis à tout le monde que t'es un connard qui veut pas prendre une cliente. C'est ton choix. D'accord, il est pas à vendre. Ok, t'es pas. Ok, c'est bon. Il est pas à vendre, j'ai compris. Calme. Je te calme tout de suite. Bon bah je suis dans la merde. Alors on va aller pour la deuxième fois lui faire une petite déception. Qu'est-ce qui va se passer? Putain, il est déjà 15h42. Ça va vite. Oui. Je l'ai trouvé, mais il ne veut pas te prendre parce que tu t'appelles Faye. Bon, mon jeu d'acteur était pourri. Je voulais te le dire subtilement, enfin bon, t'as trouvé toute seule. Tu sais, on peut reconsidérer ça. C'est vite dit quand même. Mais qui est l'ennemi de ta mère? Oui. Ouais. Bon, je suis pas certain que ce soit une bonne idée, mais une voyante. Même si elle est vraiment une voyante de renommée, elle peut quand même balancer n'importe qui. Voilà.
pense que j'aurais fait la même chose en même temps. Enfin, sauf s'il est reconnu internationalement, voire mondialement. Pardon, excuse-moi, wait, ok. Wait. On y est. Bon, déjà 16h. Tu vas la défendre, mon grand, parce que c'est dans l'histoire, en fait. Si je dis que je me casse, en fait, tu vas me dire que tu peux pas faire ça et tu vas reprendre la passerelle d'ici. Donc, on n'a pas le choix. Ouais, parce que c'est pas toi le coupable. Bon, bah le jeu vient de me claquer entre les doigts, donc du coup j'ai essayé de vous reprendre là où je m'en étais arrêté. Bref, il me semble que ça a craché au moment où on voulait la protéger, voilà. On était son avocat. Bref. Bien. Bon, maintenant que j'ai tout, je vais essayer de te présenter des preuves. Mon portable. Ouais, non, ce portable, je l'ai déjà vu. Ah, merci. Bon. Je vais me déplacer. Voyons. Je vais retourner à l'hôtel. Ah, j'ai bien fait. Les groupes service. D'accord. Donc a priori, il y aura une coïncidence entre cette affaire et le fait que Monsieur White aurait détruit la famille Faye. Logique. Oh, une borne d'écoute téléphonique. Je le savais. Même la musique est d'accord avec moi. Bon, déconne, j'étais le dossier de l'affaire. Je le savais. Je n'avais pas confiance en cette femme. Ouais.
On a tous compris ce que tu voulais dire, Phoenix, mais t'as pas utilisé le bon mot. Ok, oui. Et c'est là que notre épisode va s'arrêter. Du moins pour cette partie-là. Et voilà, la première partie de l'épisode 2 se termine. Donc au prochain épisode, nous allons enfin avoir la partie tribunal. Et là, je sens qu'on va s'amuser. Sur ce, n'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser un pouce vert. Bah non, même pas... Non, c'est un pouce bleu. Parce que YouTube a changé, on ne sait pas pourquoi. Donc un pouce bleu, un commentaire si ça vous plaît, si vous avez une suggestion. Et aussi, abonnez-vous pour suivre cette épopée incroyable qui est Phoenix Wright. Salut à tous!